T'es prêt pour la dernière, toi? Oui. Ouais. J'y ressemble, elle est là. Birds on flying high, did you know I feel something in the sky? Ça aurait pu être une découverte du printemps de Bourges, mais ils ont déjà leur petit succès, les Stéphanois, Terre Noire. Des informations de la Sologne, de voilà, Théier. Informations solognotes de Théier, de Salbris. On en a vu quand même cette année. Hein. Oui, oui, ça s'est bien passé. Beaucoup de bonne humeur, de convivialité. Toujours avec grand plaisir de venir à cette émission. Et toujours sur, avec Biré Good News, puisque ce matin, la radio a des yeux. Radio Tintouin, Tintouin, fais le lien. Oui, 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 toujours correspondante de presse pour le Berry Républicain avec les articles sur Salbris et quelques-uns sur Vierzon également. Et de particuliers, citoyens, qui sont en train de créer des jardins partagés dans Vierzon. Donc il y en a plusieurs, il y en a un à l'église, il y en a un au Clos du Roi, il y en a un rue de Jérusalem. Producteurs locaux. Pour faire connaître les producteurs locaux, leurs produits et puis leur travail aussi, la manière dont ils travaillent. Donc. En fait, la chaponnière, c'est un peu plus qu'une ferme, c'est pas simplement une ferme, c'est l'écopôle, c'est autre chose qu'on développe. Au-delà d'une ferme, c'est un lieu de mobilisation sur l'alimentation, un lieu de, où on discute, on réfléchit, on débat sur l'alimentation, sur toutes les questions qui sont relatives à l'alimentation. Merci Céline. Merci à vous. Ça s'est bien passé l'épreuve. L'épreuve d'oral là, à la radio. On est en plein examen. Hein. Ouais, d'accord. Non mais d'accord. Je vous ai un peu perturbé là. Merci. Mais pas ça comme ça. Bonne journée. Merci à vous Céline. On a une chanteuse locale. Elle s'appelle Gersande. Henri-Victor, tu prendras le micro tout à l'heure, tu nous en parleras quelque peu. Non, il n'a pas envie. Bon, on va l'écouter, puis on appellera une autre chanteuse qui nous en a invité dans cette saison. On va l'appeler dans le premier. J'ai ressenti au profond. Feeling good.